L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, services rapides de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 418-248-5595. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 12 mars 2020, une sortie de route à Montmagny sous l'effet de l'alcool. Quatre résidents ontariens arrêtés pour avoir tenté de voler dans des magasins de la région. Méfaits et vols dans des cases postales du secteur et plusieurs cas de fraude par Internet. Opération Enfant-Soleil remet 20 000 $ à l'hôpital de Montmagny. Et c'est parti pour la frippe à Monk de Tourville. Pandémie de coronavirus, le Québec se prépare au pire des scénarios. Et côté sport, une compétition de gymnastique de classe provinciale se tiendra à Montmagny ce week-end. La NBA suspend sa saison à cause du coronavirus. Et pas question d'annuler les matchs du Canadien, du moins pour l'instant. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans la nuit du 7 mars dernier, suite au signalement d'une sortie de route survenue sur le chemin Saint-Léon à Montmagny, les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés sur les lieux de l'accident et ont constaté que le conducteur du véhicule avait les capacités affaiblies par l'alcool. L'homme de 31 ans de Sainte-Louise a été de ce fait arrêté et soumis à l'alcotest. Les résultats ont démontré que l'individu conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie qui était du plus du double de la limite permise par la loi. Le permis de conduire de l'individu a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Dans la même veine, encore le 7 mars dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont intercepté une automobiliste alors que celle-ci circulait sur la route 279 à Saint-Charles. La conductrice de Saint-Gervais, âgée de 55 ans, avait les capacités affaiblies par l'alcool. Lors de son arrestation, la dame a été soumise à l'éthylomètre et les résultats ont démontré qu'elle conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie qui était du plus du triple de la limite permise par la loi. Le 6 mars dernier, une enquête a été initiée par les policiers de la Sûreté du Québec dans la MRC de Kamouraska suite à l'interpellation de quatre individus d'origine étrangère qui seraient des résidents de l'Ontario. Ces derniers auraient tenté de voler des appareils électroniques dans des magasins de Montmagny et de la Pocatière. Par ailleurs, dans leur véhicule, les policiers ont retrouvé des objets qui auraient été volés dans d'autres régions. L'enquête se poursuit et les suspects pourraient être reliés à d'autres vols commis au Québec et en Ontario. Depuis le 20 février dernier, plusieurs cas de méfaits et vols dans des cases postales ont été signalés dans les MRC de Bellechasse et de Lillet. La Sûreté du Québec demande donc aux gens de la région de garder l'œil ouvert, d'être vigilants et de transmettre aux policiers
toute information pouvant être pertinente. Des dossiers de fraude par Internet via les plateformes de vente reliées à des médias sociaux ont également été rapportés aux policiers. Les suspects mettent en vente des items sur ces plateformes et ils demandent des dépôts par l'entremise d'Interact et ou par carte de crédit prépayée pour ensuite encaisser les fonds. Il est fortement déconseillé de faire des achats avec dépôt sur ce type de site de vente en ligne. Il est d'ailleurs toujours recommandé de rencontrer la personne et de prendre possession de la marchandise achetée lors du paiement. Opération Vent Soleil a remis 48 970 $ au CI3S, le 6 de Chaudière-Appalaches, dont 20 000 $ à l'hôpital de Montmagny. On vous donne tous les détails dans un instant. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, Annick Dumont et Maxime Landry, porte-parole d'Opération Enfant Soleil, ont remis 48 970 $ aux 6 de Chaudière-Appalaches. Plusieurs octrois ont été versés, soit 22 390 $ à l'Hôtel-Dieu de Lévis, 20 000 $ à l'Hôpital de Montmagny, 4 230 $ au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme et 2 350 $ au Centre de réadaptation en déficience physique. Un montant de 2 580 $ provenant du Fonds José Lavigueur a également été remis à l'organisme Société Grand Village. À ce jour, c'est 4 041 373 $ qui ont été versés dans la région afin d'offrir les meilleurs soins et une meilleure qualité de vie aux enfants en période d'hospitalisation, grâce à l'aménagement d'espaces favorables à leur guérison. Détail des octrois versés aux 6 de Chaudière-Appalaches, 22 390 $ remis à l'Hôtel-Dieu de Lévis, cet octroi qui financera l'achat de 6 ensembles otoscopes, ophtalmoscopes pédiatriques et d'un chariot de réanimation néonatale permettant des interventions plus rapides et plus efficaces auprès des bébés lors de situations critiques. De plus, cet octroi servira à l'achat d'un moniteur cardiaque permettant d'assurer une surveillance continue des paramètres vitaux des enfants de deux sphygomanomètres, voilà, appareil permettant de prendre la pression artérielle et d'un appareil à succion pour les nouveaux-nés. Depuis 1997, Opération Enfant Soleil a versé 1 838 339 $ à cet hôpital. 20 000 $ sera versé à l'hôpital de Montmagny. Cette somme financera l'acquisition d'un moniteur physiologique avec configuration néonatale et pédiatrique qui permettra la surveillance continue des paramètres vitaux de l'enfant. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 300 033 $ à cet hôpital. 4 230 $ versés au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Ce montant financera l'achat d'une table ergonomique, d'une balançoire qui permettra la réalisation d'activités sensorielles, d'une table de soins thérapeutiques, d'un miroir qui permettra de travailler la perception corporelle, les émotions et plusieurs autres aspects avec les enfants, ainsi qu'un hamac avec lequel il sera possible de travailler la force, la posture, l'équilibre, etc. Depuis 2019, Opération Enfant Soleil a remis 9 230 $ à ce centre. 2 350 $ seront remis au Centre de réadaptation en déficience physique. Cette somme permettra l'acquisition d'une table ergonomique qui sera utilisée lors des thérapies auprès des enfants ayant une déficience du langage. Depuis 2016, Opération Enfant Soleil a versé 20 100 $ à ce centre.
C'est lors de la tenue des portes ouvertes ayant eu lieu le 22 février dernier que la friperie de Tourville a dévoilé son nom au public, soit la Frippe à Monk. L'ouverture officielle de la Frippe à Monk s'est déroulée avec un énorme succès en après-midi, puisque près de 150 personnes ont visité le nouveau service. Et pour rendre l'utile à l'agréable, un espace café-collation ainsi qu'un coin lecture et jeux pour enfants était aménagé afin que la population puisse échanger, socialiser et savourer le gâteau spécial Frippe à Monk, le tout dans une ambiance conviviale et décontractée. C'est un projet bonbon. Les partenaires sont super et facilitants et les personnes impliquées ont de bonnes idées et sont très motivées. Je suis sûr que cette friperie communautaire sera un succès et fera une différence dans le milieu. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à Tourville en ce moment et je pense que c'est juste le début de dire Claire Jacquelin, co-directrice de la CDC, ici Montmagny-Lillet. Lors de la visite des lieux, on a pu noter une importante quantité de linge à prix très abordable, ainsi qu'une fresque illustrant l'ancienne gare Monk et un train faisant référence au nom de la friperie, mais aussi à l'histoire de la municipalité de Tourville. Il est donc possible de passer faire des achats dans les heures d'ouverture mentionnées ci-dessous au 962 rue des Trembles à Tourville, local 33. Les personnes souhaitant faire des dons de vêtements peuvent aussi venir les déposer à la municipalité de Tourville aux heures d'ouverture. Le local sera donc ouvert par ailleurs à tous selon l'horaire suivant, mardi 9h à 16h, jeudi 13h à 20h et vendredi de 13h à 16h. Enfin, les personnes désirant obtenir plus d'informations ou s'impliquer dans ce projet communautaire peuvent contacter le 418-358-0688 ou encore aller directement sur le groupe Facebook Friperie Tourville qui compte déjà plus de 430 membres. Ce projet est réalisé par la CDC ici Montmagny-Lillet en collaboration avec la municipalité de Tourville, l'ABC des Hauts-Plateaux, les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet, Soupe au bouton, fil en bouton, la MRC de Lillet, l'élan collectif et les impliqués. Le Québec se prépare au pire. Fermeture d'écoles, d'universités, annulation de grands événements, interdiction de grands rassemblements, quarantaine, tout est possible, alors que les scénarios étudiés prédisent que de 30 à 70 % de la population du Québec sera contaminée. On se prépare au pire des scénarios, a lancé la ministre de la Santé, Danielle McCann. Le Québec a maintenant 9 cas confirmés. Dans quelques jours, il sera difficile de tenir le compte du nombre de personnes atteintes, a confié une source bien au fait du dossier dans le réseau de la santé. Le Québec est sur un pied d'alerte. Ces laboratoires peuvent analyser près de 200 échantillons par jour. Selon le Journal de Québec, le directeur national de la santé publique, le Dr Arocio Arruda, l'affirme sans détour. « C'est impensable de penser que ça ne va pas venir nous atteindre », a-t-il lancé tout de go. Il y a des scénarios qui parlent d'un taux d'attaque d'à peu près 30 % de la population, pouvant aller jusqu'à 70 % a-t-il lancé. Cette contamination pourrait se faire en plusieurs vagues. Il est possible que le retour du temps chaud en mai permette une accalmie, mais que le coronavirus fasse un retour en novembre prochain. Il est peu probable qu'un vaccin soit développé à ce moment. Québec envisage un scénario de modéré élevé. Sur cette échelle, l'Italie, qui a annoncé en soirée la fermeture de tous les commerces, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies, et qui dénombre 827 morts et 12 462 cas, est modéré plus. À court terme, Québec veut augmenter le nombre de tests de dépistage, augmenter les ressources du service 811 déjà débordé depuis mercredi, être transparent et livrer des points de presse quotidiens pour donner la meilleure information à la population. Mais le gouvernement envisage déjà les mesures qui sont mises en place en Europe, où la maladie a pris l'avance. Les Québécois doivent se préparer mentalement à des mesures de fermeture d'écoles, d'universités, à l'interdiction des grands rassemblements et à l'annulation de spectacles
ou à la mise en quarantaine d'une zone, par exemple. Oui, tout est possible. Quand est-ce qu'on va le faire? Il n'y a pas de chiffre. Tout ça va être analysé de jour en jour, a dit M. Arruda. De son côté, la ministre de la Santé, Danielle McCann, souligne que le Québec fait des provisions d'équipements protecteurs depuis des semaines et a un plan pour libérer les chambres additionnelles dans le réseau en cas de hausse des hospitalisations. Elle suit de près la situation en Italie, où les employés du réseau de la santé manquent de ressources et risquent eux-mêmes la contamination en raison d'une pénurie de matériel. Pour l'instant, 4 centres hospitaliers sont désignés pour accueillir des cas. L'Hôpital général juif et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie à Québec. Pour l'instant, 2 personnes sont hospitalisées au Québec en raison du coronavirus. Une directive a été envoyée aux dirigeants de tous les ministères et des organismes du gouvernement du Québec pour indiquer que les déplacements hors Canada dans l'exercice de leurs fonctions ne sont plus autorisés. Cette interdiction tient également pour les ministres et les députés. Pour ce qui est des voyages à titre personnel, les Québécois devraient suivre les recommandations émises par Santé Canada par rapport aux pays à risque. Les croisières sont à éviter, a dit Mme McCann. Les conditions pouvant changer entre le moment du départ et le retour, les voyageurs doivent toutefois être prêts à en assumer les risques sanitaires et financiers. Moins de 24 heures après le dépôt du budget de son gouvernement, François Legault a annoncé la création d'un comité Plan B si l'économie s'effondre. Dirigé par le ministre des Finances, Éric Girard, cette équipe sera chargée d'étudier la situation économique mondiale, d'en suivre l'évolution et, selon les différents scénarios possibles, de déterminer les meilleures actions à poser pour soutenir l'économie du Québec. Il pourrait, a précisé M. Legault, ajouter des stimulus économiques et verrait une augmentation de certaines dépenses non récurrentes. Le gouvernement du Québec demande donc aux élèves du primaire et du secondaire d'annuler tous les voyages scolaires dans les pays à risque. Il demande également de faire un isolement préventif de 14 jours pour tous les élèves qui ont visité un pays à risque. C'est également le cas pour les bambins en service de garde et pour les étudiants universitaires. Citoyens de retour de voyage, les gens en provenance de pays à haut risque, comme l'Iran, la Chine et l'Italie, doivent s'isoler. Si on commence à avoir des douleurs respiratoires, de la difficulté à respirer et à faire de la fièvre, il faut appeler le 811, peu importe le pays visité. Pour les Québécois qui n'ont pas voyagé et qui ont des symptômes, appelez le 811. Évitez des rassemblements. Évitez les endroits où il y a des aînés ou des foules pour ne pas contaminer les plus vulnérables. Ceux qui ont des maladies pulmonaires ou cardiaques ou un diabète mal contrôlé devraient éviter les grands événements. Pour tout le monde, évitez les poignées de main. Pour les événements, mettre à la disposition du public du savon, de l'eau, du rince-main antiseptique. Prévoir un lieu où les personnes qui développent des symptômes de toux puissent être isolées et prises en charge. Éviter le partage de nourriture. Augmenter le nombre de points de service pour éviter les longues files. Favoriser les repas en boîte. Éviter les buffets. Échelonner les départs et les arrivées pour éviter que tout le monde arrive en même temps. Dans quelques instants, les sports. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Côté sport, sur la base des excellents résultats antérieurs, le Club Magny Gym a de nouveau été retenu par la Fédération gymnastique du Québec afin d'accueillir la deuxième sélection de la saison 2019-2020 du circuit provincial de gymnastique artistique féminine. Cette compétition se déroulera en fin de semaine, les 14 et 15 mars,
à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Durant cette compétition, près de 400 gymnastes et leurs familles provenant de plusieurs régions du Québec, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Mauricie, Montérégie et Centre du Québec, se réuniront dans la capitale de Lois-Blanches afin de se classer pour les qualifications provinciales et, par le fait même, nous démontrer leurs habiletés. Magny Gym a pu compter une fois de plus sur le soutien de nombreux collaborateurs et plus d'une centaine de bénévoles s'affairent présentement à mettre en place toutes les étapes de cette importante organisation. Grâce à cette excellente collaboration de tous, la grande qualité d'accueil des Magny-Montois pourra à nouveau être démontrée. La NBA a annoncé mercredi soir que sa saison était suspendue en raison de la progression de la pandémie du coronavirus. Un joueur du Jazz de l'Utah a par ailleurs été diagnostiqué positif du COVID-19. Selon le réseau ESPN, il s'agirait de Rudy Gobert. Le résultat du test préliminaire a été connu tout juste avant le match du Jazz contre le Thunder d'Oklahoma City et qui devait avoir lieu mercredi soir au Chesapeake Energy Arena. Le match a été reporté avant même de commencer après une discussion entre les arbitres sur le terrain. Le joueur infecté n'était pas sur les lieux, a indiqué la NBA par voie de communiqué. Selon le réseau ABC, le joueur du Jazz, Emmanuel Moudier, aurait également été transporté dans un hôpital de la région pour subir des examens de détection du coronavirus. C'est l'annonceur maison qui a invité les spectateurs à quitter l'amphithéâtre du Thunder mercredi soir. En raison de circonstances hors de notre contrôle, le match de ce soir est reporté. Vous êtes tous en sécurité, a-t-il lancé au microphone. Les autres matchs au programme du mercredi ont été disputés tels que prévu. La suspension des activités de la NBA sera effective à partir de jeudi. Les dirigeants de la Ligue suivront l'évolution de la situation avant de prendre d'autres décisions concernant la présente saison et les séries éliminatoires. Avant l'éclosion de ce premier cas de coronavirus, la NBA était déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour échapper au pire. Selon ce que rapportait ESPN, les gouverneurs de la Ligue s'étaient entendus pour que tous les matchs d'ici la fin de la saison régulière soient présentés à huis clos. Le commissaire Adam Silver devait en faire l'annonce jeudi. Plus tôt en journée, les Warriors de Golden State avaient été les premiers à annoncer qu'ils disputeraient leur match à domicile à huis clos. La NCAA a également annoncé que des mesures importantes seraient prises dans le cadre de ces tournois, dont le prestigieux March Madness, pour empêcher la propagation du coronavirus. En effet, dans les tournois à venir sur le circuit universitaire américain, seuls les employés des équipes et quelques membres des familles de joueurs et de joueuses seront autorisés sur les lieux. Excusez-moi. Je comprends que c'est très décevant pour les amateurs de sport, mais ma décision est basée sur notre compréhension de la progression de la COVID-19 aux États-Unis, a dit le président de la NCAA, Mark Emmert, par voie de communiqué. Cette décision est dans le meilleur intérêt de la santé publique, incluant celle des entraîneurs, des dirigeants, des amateurs et, le plus important, des étudiants athlètes. Du côté de la Ligue nationale de hockey, pas question pour l'instant de demander l'annulation de matchs de hockey du Canadien à domicile en raison du coronavirus, mais tous les événements sportifs seront évalués au cas par cas, a indiqué le cabinet de la ministre de la Santé. Les rassemblements internationaux sont évalués au cas par cas. Les autres événements sportifs ou rassemblements sont évalués au cas par cas aussi. La situation change et évolue, mais pour l'instant, on n'en est pas là, a précisé le porte-parole de la ministre de la Santé, Alexandre Lay, lorsque questionné à ce sujet. Québec a annoncé mercredi l'annulation des championnats mondiaux de patinage artistique qui devaient se tenir à Montréal dès la semaine prochaine pour tenter de contenir la propagation du coronavirus. Or, tous les événements sportifs d'envergure ne devraient pas connaître le même sort. D'ailleurs, la Coupe du monde de ski de fond, qui aura lieu à Québec en fin de semaine, est toujours maintenue. L'événement, qui se tient à l'extérieur, est beaucoup moins à risque en raison de l'espace dont disposent les participants, a expliqué en conférence de presse à l'Assemblée nationale
le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Il n'est pas en train de faire du hockey avec la chambre des joueurs où tout le monde est collé à tout ça. Ce qu'ils font, c'est à l'extérieur, ce n'est vraiment pas la même affaire que de se retrouver dans une salle fermée où on fait du ping-pong, etc., a indiqué le Dr Horacio Arruda. Mais la situation pourrait évoluer rapidement. Dans 3 semaines ou 1 mois, si la situation est complètement différente, on pourrait décider qu'un événement extérieur autour d'une montagne de ski, ce n'est pas nécessaire, a-t-il ajouté. Le Dr Horacio Arruda invite tout de même les organisateurs d'événements à renforcer leurs pratiques d'hygiène en fournissant des moyens pour ce faire, incluant du savon, de l'eau, du rince-main antiseptique. Il est également suggéré de prévoir un lieu où des personnes qui développaient ou qui développeraient des symptômes de toux pendant l'événement, par exemple, puissent être isolées et prises en charge et d'encourager l'utilisation de pratiques alternatives au contact direct. Ce n'est pas nécessaire de donner des poignées de main à 3000 personnes, d'éviter le partage de nourriture, des breuvages ou de ne pas mettre tout le monde à la même place pour les points de service. Les bars, a énuméré le Dr Horacio Arruda. Donc, le Canadien recevra Buffalo ce soir au Centre Bell à 19h et dimanche après-midi à 16h, les Ducks d'Anaheim. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Nous éprouvons actuellement quelques problèmes techniques que nous nous affairons à régler, donc nous travaillons là-dessus. Alors, on s'excuse pour les problèmes que tout cela peut causer. Alors, je vous rappelle que ce bulletin de nouvelles, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou encore sur notre site Internet au cmatv.ca. Alors, nous travaillons là-dessus pour régler notre problème technique. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Lorando Porte et Fenêtre, 164 4e rue Montmagny. Le Rondeau Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Le Rondeau Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lerondeau.com. Alors, on a connu quand même une belle journée. C'était froid hier, mais quand même, c'était très... Comparé avec ce qu'on a vécu lundi et mardi, là... Bien, c'était très confortable, si je peux me permettre de prendre cette expression. Alors, si on regarde notre image radar pour aujourd'hui, eh bien, il y a quelques petits nuages au nord du fleuve, mais ils sont très petits. Mais ça pourrait et ça va changer au cours des prochaines heures parce qu'il y a un bulletin météorologique spécial pour la nuit prochaine. Donc, d'abord aujourd'hui, là, ce sera du temps généralement ensoleillé avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 4. Pour ce soir et la nuit prochaine, ce sera partiellement nuageux, devenant nuageux après minuit, suivi de neige. Du vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales qui souffleront à 40 km/h et un minimum de moins 6 degrés. Vendredi 13, demain, bien, on parle de neige qui va se changer en pluie en après-midi. Poudrerie par endroits le matin. Une accumulation de neige de 5 à 10 cm et des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 qui vont augmenter de 40 à 60 en avant-midi. Et puis, ils vont changer de direction et souffler sud-ouest de 40 avec des rafales à 60 tard en après-midi. Donc, demain, là, neige,
poudrerie. C'est ce qu'on nous prévoit avec 5 à 10 cm et des vents qui seront très présents demain, vendredi et samedi. Donc, on parle de vents forts là, tout au cours de ces deux journées. Alors, ça veut dire qu'on pourrait avoir des conditions routières plus difficiles pour demain. Maximum quand même de plus 2. Pour la nuit de vendredi à samedi, pluie intermittente ou neige, ce sera venteux avec un minimum de moins 1. Et pour samedi, neige intermittente, ce sera très venteux pour samedi avec un maximum de moins 1. Pour dimanche, soleil avec un maximum de moins 2. Et pour le début de la semaine prochaine, ça débute sous le soleil avec un maximum de moins 3 degrés. Pour mardi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de plus 1. Et pour mercredi, c'est du soleil avec un maximum de 0. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 0 le jour, moins 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 7 heures ce matin et se couchera à 18h43, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 8,3 degrés et la plus basse en 2017 avec moins 16 degrés. Maintenant, pour les précipitations, hier, on a reçu 0,4 mm de pluie en tout début de journée. On a enregistré un maximum de moins 3,5 degrés hier et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,4 kilopascals. La tendance est à la hausse. Alors, l'humidité est à 84 %. Il fait actuellement moins 12 degrés sous un ciel variable. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, eh bien, vous mentionnez que c'est beau partout, le tableau l'indique. Donc, toutes nos routes, que ce soit les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ou encore la route 132 et l'autoroute 20 qui mènent de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et même Rivière-du-Loup. C'est surpavage, c'est beau partout. Mais cependant, je vous informe de cette alerte météorologique là, pour la nuit prochaine, demain. C'est de la neige, de la poudrerie, alors ça va considérablement changer les conditions routières pour demain, mais pour aujourd'hui, c'est très beau partout. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché West Montmagny, 248-73-35. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 12 mars 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 mars. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire à Guy Marois. C'est de la part de sa belle-mère Monique. Donc, bon anniversaire hier, le 11 mars, à Guy Marois. Bon anniversaire aujourd'hui, le 12 mars, à Léonard Roy. C'est de la part de grand-mamie. Alors, bon anniversaire à Léonard Roy. C'est de la part de grand-mamie. Bon anniversaire le 12 mars à Catherine Demers de Montmagny. C'est de la part de sa grand-mère Gisèle. Alors, bon anniversaire Catherine Demers aujourd'hui, le 12 mars. Et bon anniversaire à Jacques Morneau. Monsieur Morneau, qui est résident de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, de la famille Soucy. Alors, on vous souhaite un bel anniversaire et vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Alors, bon anniversaire, Jacques Morneau, en ce 12 mars. Maintenant, les anniversaires sur la scène nationale. Eh bien, bon anniversaire à Mylène Saint-Sauveur, qui a aujourd'hui 30 ans, actrice et comédienne québécoise. Annie Dufresne, comédienne, actrice et chanteuse, 46 ans. Joseph Facal, qui a été député
et collaborateur du Journal de Québec, il a 59 ans, et James Taylor, chanteur, guitariste et compositeur américain, 72 ans. Et on se souvient du décès en 2002 de Jean-Paul Riopel, 78 ans, peintre et sculpteur québécois, et qui a longtemps résidé sur l'île aux grues. Et Yudi Menuhin, 82 ans, un des grands violonistes du 20e siècle, et aussi Robert Ludlum, 73 ans, écrivain américain. Donc, ce sont les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous propose une belle et autre recette de notre chef Benoît Tardy. Et après quoi, nous recevrons René Hébert de la maison L'Arc-en-Ciel. Et ensuite, José Soucy sera là pour les grands titres de l'actualité. Voilà, bonne émission. Toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-les-Lès sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison L'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataires du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous savez, ici, on s'amuse. Non, oui. On vous prépare ces chroniques parce que sont enregistrées, je vous le dis. Sont enregistrés d'avance parce que pour avoir le plaisir d'avoir Benoît aussi pendant presque deux heures. Oh, oui, une heure et demie, deux heures. Là. Ouais, oh, c'est oui. Quand même assez... tu sais, il faut toi, tu penses à ce que tu vas nous préparer. Comment tu prépares? Mais comme ce matin, là, j'étais un petit peu en retard, ça veut dire j'ai été sur le pouce. OK. Puis j'ai pris mes quatre recettes en me promenant dans le magasin. Je regarde, puis des fois, quand je vois des nouveaux produits, même si c'est des produits que je connais moins, mais j'aime mieux les montrer. Au moins, je le vois avec vous. Tu sais, vous voyez des nouveaux produits, on a essayé les sauter, c'est prêt, qu'on avait les quatre sortes. Après ça, on a essayé les moules la dernière fois à la poissonnerie. Des fois, je m'en vais plus des nouveaux fruits exotiques qu'on va essayer peut-être dans d'autres chroniques, vu qu'on s'en va vers l'été. Je pense que là, on est présentement... il reste peut-être presque plus de neige. Alors, on peut encore en parler. On peut prévoir. Il va aller trop vite. Non. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous apprenez ça à l'école, la créativité, de faire des recettes avec tel ou tel produit, ou si ça vient de la créativité, c'est qu'un chef cuisinier doit être créatif aussi? Oui, je pense que c'est vraiment d'être créatif, puis je pense que c'est inné. C'est comme un ébéniste, c'est comme quelqu'un qui crée, je sais pas moi... qui dessine, tu sais, je pense que c'est une passion. Je pense que tu fais ce que tu aimes. Comme moi, je viens, puis j'aime, quand je cuisine, toi, je travaille pas. On peut dire que tu es un passionné. Moi, j'adore ça. J'aimerais ça faire plus de choses, mais dans ma job de gestionnaire, j'ai du monde à gérer aussi. Puis j'essaie de démontrer ça à mes nouveaux cuisiniers qui vont s'en venir ou à mes cuisinières aussi, qui font un job extraordinaire. C'est vraiment... pour le bien de l'équipe, puis pour la coopérative, je pense que c'est le fun d'être fier de sa coopérative. Tu sais, moi, je travaille pour... tu sais, on passe l'émission de TV, j'aime bien ça, parce que ça fait découvrir IGA, notre coopérative, les membres. Plus qu'on attire le monde, plus qu'on peut donner une belle ristourne. Je pense que c'est important pour... on est un beau magasin par rapport au Québec. Je pense qu'on est... on est sur la coche, comme on peut dire. Et je le dis souvent, tu es un passionné et tu le démontres. Ouais. Tu sais, on va te retrouver aux caisses, puis souvent tu vas dire, ben, s'il y a de quoi, venez me voir, on m'a préparé, je vais aller vous le montrer. Puis... oui, alors, je suis comme ta passion, ça. Là, je suis comme ça. Ça paraît que tu es bien dans ce que tu fais. Tu sais, la clientèle, pour moi, c'est important. Puis il y a beaucoup de madames qui viennent me voir pour les recettes, comme on a parlé. Ou ils disent, mon beau petit cuisinier, ou c'est mon petit cuisinier, je regarde tous les matins. Puis non, j'aime bien ça. Puis je pense que les petites madames puis les petits messieurs sont bien contents de me voir. Puis, gênez-vous pas, si vous avez des questions, n'importe quoi. Si j'ai pas réponse, je vais essayer de la trouver. Puis, je pense que dans l'ensemble du magasin, ça va bien aller. Surtout avec les
des rénovations qui s'en viennent. Je pense que je vais être à l'affût avec Carl Lamonde, M. Francis Rouleau, puis même le personnel va être vigilant pour que la clientèle se recherche Porto. Ça va durer environ un mois. Mais pas de changement, pas d'agrément. Non. Donc, hamburger au porc sur Paname, c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du porc. On va reprendre du veau ou de la viande hachée, mais là, je vais le faire avec du porc parce qu'il est en spécial. OK. Très important. C'est une bonne raison. La plupart... moi, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours... vous avez les contenants... Moi, je fais toujours mes... Je dis des boulettes. Il y en a qui disent des boulettes. Il y en a qui disent des boulettes de steak haché. Il y en a des... Moi, je prends tout le temps des couverts de beurre de pinot. Vous en avez de différentes grosseurs. Qu'est-ce que je fais? Là, premièrement, je prends tout le temps un peu comme ça. C'est pour les portionner, si vous voulez, plus être standard, dans le fond. Parce que moi, ça me fait des petites boulettes. OK. Faites ça toujours de la même grosseur. Toujours. Puis pour qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer ça. On aurait pu le mélanger avec du pesto un petit peu pour lui donner un petit peu de goût. Mais tu sais, c'est simple, qu'est-ce que je vais vous montrer. Puis je trouve ça génial. Après ça, on va prendre de l'oignon. Donc, si tu veux faire des plus grosses boulettes, tu prends la plus grosse format. Ouais, les couverts verts. Oui, les couverts verts ou bien à mayonnaise, dans le fond. Ça vous donne une bonne portion sous charcoal aussi qu'on va débuter. Hein? Mais... Puis moi, j'ai fait geler. T'sais, j'ai fait déjà tout en boulettes comme ça. J'ai fait geler. Puis quand j'en sors deux à la fois. À la place des fois, on fait geler tout le paquet. Puis là, on en jette la moitié parce que ça traîne un peu dans le frigidaire. Ça veut dire, moi, j'ai fait comme ça. C'est un bon truc, ça. Ah, c'est des petits trucs faciles à faire. C'est comme le monde, quand vous faites... il y en a qui font du pesto, mais vous mettez ça avec... comment je pourrais vous dire? Des glaçons. Oui. Vous mettez un papier de saran wrap, vous faites ça, puis vous mettez tout votre pesto à l'intérieur. Puis vous le mettez au congèle, ça vous fait des petits cubes de pesto quand vous en avez besoin. Puis vous le faites fondre, puis ça va revenir identique. C'est-à-dire, on va prendre notre Riopel. Est-ce que ça se fait encore dans le temps d'acheter des boulettes de steak haché toutes préparées? Oui, je pense qu'on a... Ben, à la boucherie, là? À la boucherie, oui, je pense que ça existe encore. Mais, c'est quand on reçoit beaucoup de monde, là. Mm-hmm. Au lieu de se taper les boulettes... vous pouvez les acheter toutes faites d'avance. Qu'est-ce que je... Ah ouais, parce que je l'ai déjà fait, là. Mais je me demandais si ça se faisait encore. Tu sais, là, j'ai tout... On a pris notre Riopel. On les met à l'intérieur. On venait tout couvrir nos boulettes de steak haché comme ça. De porc, j'ai dit steak haché. Notre Riopel est tout à l'intérieur. Là, j'ai mis de l'oignon. Ouais. On a mis du Riopel à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un peu de beurre. Oh, un vrai chef! Ouais, bon, oui, vous avez remarqué que j'ai la poignée facile. Ah, ben oui, oui. Donc, on parlait du Rachel Berry qui s'en vient, là. On doit être à veille, on est dedans présentement. Bon, là, ça va être des cosmétiques? Oui, des cosmétiques puis des produits biologiques. OK, et des produits sans gluten pour toi. Oui, mais moi, je trouve, honnêtement, Benoît, qu'on est déjà bien servi. Oui. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est Catelli. OK. Qui a embarqué là-dedans. Il fait des pâtes maintenant, des macaronis ou des spaghettis. Mm-hmm. Catelli, sans gluten. Ben, je pense que c'est une part de marché. Il faut que tu ailles chercher parce que je crois qu'il y en a de plus en plus. Oui. Puis, nos enfants, je pense qu'ils ont... Ils s'en viennent même s'ils sont pas, comment je pourrais dire, ils essaient beaucoup de produits, tu sais, mince à vie, des produits plus santé. Nous autres, on est habitués avec notre vieux steak, notre grosse patate au four avec bien du beurre, mais à ce c'est une petite salade, c'est plus raffiné. Je pense que les jeunes prennent plus soin de leur santé que nous, même moi. On peut dire nous. Ouais, hein, ouais, je pense que... On a été élevés avec... Une bonne grosse. Là, tranquillement, on tend à changer nous autres aussi. Là. C'est ça. Tu sais, le monde, ils font. Je pense qu'ils portent plus une attention à leur santé. Ouais. Je pense que c'est une priorité, je pense. Généralement. En 2020, je pense que c'est une priorité pour tout le monde. Avec tout ce qui peut arriver, il faut vivre sainement. Il faut s'aider si on veut vivre. Oh, oui. Là, vous voyez, c'est en train de cuire. Qu'est-ce que je vais faire? On va juste le tourner. Qu'est-ce qui est le fun avec ça?
À l'intérieur, j'ai mis un petit peu d'oignon. On a mis le riz au pel. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu mettre? On aurait pu mettre des pommes, mais je vais les mettre à la fin parce que je vais les mettre à travers mon pain nan. Il va là aussi, le fromage, Benoît. Ouais. Il ne sortira pas. Non, il ne sortira pas. Comme je vais vous démontrer tantôt, là, c'est sûr que là, il va finir. Quand il va avoir fini de cuire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans le pain nan, je vais le couper. Vous allez voir le produit à l'intérieur. On aurait pu prendre, si vous n'aimez pas le riz au pel, on aurait pu prendre n'importe quel fromage. Des fois, on nous reste du fromage en grains ou il nous reste, je sais pas, du fromage. À l'intérieur, on aurait pu mettre du fromage jaune, ça vient de crêpe. On aurait pu mettre des petits morceaux ou une genre de taponnade de légumes à l'intérieur. On a ça, je pense, aux fruits et légumes, pour une genre de taponnade, là, c'est, ou des légumes, piment vert, piment rouge. Qu'est-ce que vous aimez, dans le fond? Ça vous donne un produit super, super... C'est surtout quand on vire, si vous pouvez, l'huile, là, s'en va toute là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui revole. On aurait pu mettre à l'intérieur aussi la ciboulette, vu qu'on s'en va, là, on est en train de se préparer pour les jardins, puis on est en train de se préparer pour les fines herbes. Comment ça y passer? Je ne sais pas, mais presque au printemps. Oui, d'habitude, en fin avril, moi, je commence à faire pousser mes piments à l'intérieur, un peu dans la maison. Là, on aime moins ça, là. Mais t'as-tu un jardin là-bas? Oui, j'ai un petit jardin avec mes fines herbes, plus des petites tomates cerises, plus des... j'ai essayé de faire pousser de la cantaloupe. Les melons miel, ça a poussé. Ouais. Oui, okay. On en a eu un. Ça n'a pas été un gros succès. Non, mais c'est j'ai trouvé ça original. Tu sais, des fois, on essaye des produits, des concombres, on essaye des nouvelles. J'ai même essayé les petits cornichons. Ça a poussé. Tu sais, des fois, on passe pas. Tout pousse. Hein? Ça dépend que. Tu sais, des fèves, on peut en faire pousser, mais je trouve que dans l'épicerie, on a des beaux produits, c'est frais. Ça veut dire que. Moi, j'aime mieux essayer les. Une nouvelle chose, plus raffinée. Puis, moi, c'est plus tomates et concombres. Ouais, c'est ça. Tu sais, les tomates cerises, j'aime bien ça. Moi, je m'achète. Puis, tu sais, ça donne des beaux produits. Tu sais, des tomates rouges. Puis, c'est... L'été, il va partir. Tu prends ta tomate. Ouais. Tu l'arraches, puis tu la manges immédiatement. Là. Mm-hmm. Tu sais, ça ne veut pas être frais. Oui, c'est sûr qu'ici, on est gâtés. Ouais. Mais le plaisir, d'abord, de le faire pousser, mais aussi. Mais qu'est-ce que j'aimerais aussi, c'est d'avoir des vignes à ce temps. Il y a des vignes traditionnelles qui résistent à l'hiver. Tu es capable de manger ton propre raisin. Ça prend 3 ans. Tu t'en mets peut-être dans mes projets futurs. Là, mais... C'est ça. Il faut avoir des projets. La blonde dirait, ben ah oui, avec tes projets, tu vas se faire. Faut avoir des projets. Ah, ben c'est des beaux projets. Ouais. Puis, qu'est-ce que je vais faire? On va se prendre une assiette. Alors, je sais pas si on vient voir, elle commence à être bien cuite. Là. C'est du porc haché. Ouais, ça cuit un petit peu plus vite hein, tu sais, que de la viande hachée. Mais qu'est-ce qui est le fun? Ça pétille, hein? Oh, par-ci, par-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun? On peut les faire insaisir comme ça. Vous les gardez dans le frigidaire. Puis, tu sais, le soir, si vous avez une envie d'un hamburger bien raffiné, vous, dans le fond, elle est quasiment à cuire. Vous le mettez sur le charcoal. Elle collera pas sur l'élément. Ça va être déjà pré-cuite. Dans le fond, il reste juste à le faire réchauffer. Ça vous donne un hamburger, comme on dirait, un petit peu plus santé, dans le fond. La viande hachée, avec le prix qui est monté, je pense que le porc a monté un petit peu. Mais je pense que c'est des. Même le veau, tu sais, le veau, des beaux produits qu'on goûte, qu'on a chez nous. Hein. C'est des beaux produits. Bon, on va commencer à le fermer comme ça. Ce que je vois, c'est que tu attends qu'elle soit grillée. Ouais, juste à point. Ouais. Moi, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des. Les belles petites pommes comme ça. Comme ça, on va juste les mettre ça comme ça ici. Ensuite, on va se prendre un petit peu. Comme ça. N'essayez pas ça à la maison, maintenant. Hein? Oui. N'essayez pas ça à la maison. Maintenant. Non, hein? Là, vous mettez vos pommes. Là, c'est des pommes, là. C'est Non. Qu'est-ce que je vais faire? On va juste faire retirer comme ça. Là, je vais juste les sortir ici. On va prendre nos pommes poires. On va faire juste griller un petit peu, comme les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, il ne faut pas que j'échappe ma canisse. Ça va donner du goût. Avec un petit peu de sirop d'érable. Comme ceci. Vu qu'on est dans le temps du sirop d'érable, si la météo est raisonnable cette année. Oui. Mais
Écoute, la marmotte a dit que. Ils ont dit que la marmotte avait vu son ombre. Ouais. Ça veut dire qu'on aurait un printemps hâtif, mais. Hâtif? Hâtif. Ah. Ouais, un passé aux États-Unis. Pas au mois de février, mais on a eu des records de température. De 7 degrés. Oui, c'est vrai, ça. On a eu une très, très belle température pour ça. La mémoire, c'était le 25 février. Mm-hmm. Alors, on avait eu le 24, c'est la journée du 24. Deux mois après Noël. Comme ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes morceaux de pommes. Voilà l'intérieur, comme ceci. Imaginez-vous le goût. Ensuite, on va prendre un petit peu comme ceci. Je vais essayer de le démontrer un petit peu comme ça. On va se prendre un petit cure-dent comme ceci. Là, vous avez un bugger au porc, au riz opel. On aurait pu mettre, là, je l'ai fait au sirop d'érable parce que c'est le temps des sirops d'érable un peu. Ça vous donne un super produit. On aurait pu mettre les salades que je vous ai démontrées dans les deux dernières recettes. On aurait pu prendre n'importe quelle. Il y a même une salade grecque, une salade toscane. Puis vous avez vu les vinaigrettes, je pense que ça donne vraiment un bon goût. Puis je pense que tout est dans le... de la façon de faire, mais il en reste pas assez. On va laisser tomber. Mais ça vous donne un beau produit. Vous voyez que c'est une petite entrée, c'est un beau petit plat principal. Oui. Facile. Avec une petite salade. Avec un petit peu de sirop d'érable. Et voilà. Tenez. Et c'est réglé. Ça nous donne un burger au porc et au pain naan. Voilà. Oui. Ça complète déjà notre chronique d'aujourd'hui. Puis ça vous donne, tu sais, un petit des sucres pas trop sucré. Une belle, puis c'est raffiné, là. Oui. C'est digne d'un restaurant 4 étoiles, on peut dire. Oh, oui, 6 avec vous. Ah, OK. 6 avec Benoît. Non, c'est nous, oui. Nos deux. 4 plus 2. 4 plus 2, facile. C'est 6. Puis Karen Ramène aussi. Oui, on est rendu à 7. 7. Alors voilà, ça complète notre chronique 7 étoiles pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre belle suggestion. C'est tellement appétissant ce que Benoît nous présente. Et je vous rappelle que tous les produits qu'il utilise, bien sûr, vous les trouvez ici, dans ce beau magasin qu'on a. On est choyé d'avoir. Magasin Coop et GA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision CEMA TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest de Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 12 mars. D'abord, vous rappeler que le magasin Luminaire Futura, sur le boulevard Taché à Montmagny, est à la recherche de commis de bureau à temps plein. Donc, cette perle que nous recherchons doit avoir un diplôme d'études professionnelles en bureautique ou encore un diplôme d'études collégiales en administration ou toute autre formation équivalente en soutien administratif. Avoir une bonne connaissance du logiciel Acomba, avoir une facilité d'apprentissage, la personne aura aussi à faire de la vente de temps à autre, travaille sur rotation le samedi et ses congés le dimanche. Donc, c'est une belle offre d'emploi. Si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à suzanne@éclairageraymond.com ou encore, vous pouvez vous rendre directement au magasin et aller rencontrer Mme Suzanne Godreau sur le boulevard Taché ou encore communiquer avec elle au 288-7335. Également, pour ProLam, cette entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche de journaliers et d'électromécaniciens, électromécaniciennes de jour, de soir. Donc, c'est une entreprise en pleine croissance qui recherche beaucoup de monde pour combler ses besoins. Alors, si ça vous intéresse, c'est une belle entreprise. Les emplois comblés sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Donc, les conditions de travail très intéressantes et très compétitives dans un environnement structuré et sécuritaire. Ça vous intéresse? rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Si vous voulez l'envoyer par courriel ou encore, vous pouvez vous rendre directement dans cette belle entreprise à Cap-Saint-Ignace, ProLam, qui est là depuis 1997. Également, si vous vous rendez sur lecar.ca, vous allez voir de nombreuses offres d'emploi. Donc, vous voulez avoir plus de détails pour ces emplois, eh bien, tout simplement, vous communiquez avec les professionnels de l'emploi du CAR à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore 1-877-337-95-59. Ce sont des gens qui peuvent vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière ou encore le service de placement. Le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 25 février 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé M. Roger Blanchette, époux de feu Dame Aline Anctil et conjoint de Mme André Bernier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis et Montmagny, samedi 14 mars, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées par la suite à 11h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel du printanier de la résidence Monseigneur de Chêne ainsi que le personnel du deuxième étage du centre d'hébergement de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement Jean de la Lande à Montréal, le 25 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Cécile Beaulieu, épouse de feu M. Firmin Labrec. Elle était la fille de feu M. Donat Beaulieu et de feu Dame Clara Guilmette. Elle demeurait à Montréal et autrefois à Saint-Paul-de-Montmigny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire au cœur des montagnes, à l'église de Saint-Paul-de-Montmigny, le samedi 14 mars, à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie
seront célébrées par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Paul de Montmigny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Paul de Montmigny. Des formulaires seront disponibles au complexe. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ma prochaine invitée, c'est Mme Renée Hébert, qui est coordonnatrice de liaison d'information de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Mme Hébert, ben Renée, on va faire les choses simplement parce qu'on se connaît quand même très, très bien. Parce que ça fait, et on parlait de ça avant l'entrée en onde, ça fait plus de 5 ans donc, qu'on travaille étroitement avec la Maison de l'Arc-en-Ciel et vous travaillez à faire de plus en plus connaître la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, bonjour Renée. Bonjour Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Alors, tu es venue pour nous parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais d'abord, dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. Oui. Explique-nous exactement, c'est quoi cette semaine de la déficience intellectuelle? Bien, le thème cette année de la semaine de la déficience intellectuelle, c'est « Apprendre à se connaître ». Et puis, c'est exactement ça qu'on cherche à faire à tous les jours à la Maison de l'Arc-en-Ciel, parce qu'on ne fait pas seulement du répit, du gardiennage, du dépannage, mais aussi on veut participer à faire connaître nos personnes qui ont des limitations. Parce que c'est des personnes qui ont des belles choses à nous apprendre, qui ont des belles choses à partager, et puis leur participation sociale est vraiment super importante pour nous faire grandir tout le monde. Donc, la semaine de la déficience intellectuelle, dans le fond, c'est un moment de l'année où est-ce qu'on peut comme focusser un petit peu plus là-dessus puis se poser des questions puis se dire qu'est-ce que je fais, moi, pour intégrer une personne qui a des limitations? Tu sais, quand on rencontre une personne handicapée, souvent, puis qu'on voit qu'elle a une déficience intellectuelle, souvent, on va avoir tendance à pas lui parler, tu sais, ça nous fait toujours un petit peu peur. On dit, bon, ben je parlerai pas, elle me répondra pas, ou... On ne sait jamais comment elle va réagir. C'est comme si on voulait pas ouvrir la porte, ouais. Hein? Mais moi, je vous invite à l'ouvrir la porte, parce que souvent, ces personnes-là, la seule chose qu'elles attendent, c'est qu'on leur fasse un clin d'œil, qu'on leur dise bonjour, qu'on leur dise comment ça va. Donc, si vous faites ça, vous pourriez illuminer toute leur journée, là, tu sais, c'est vraiment aussi fort que ça. Donc, c'est pour ça, la semaine de la déficience intellectuelle. Est-ce que ces thématiques-là, parce qu'il y a différentes thématiques au cours de l'année, tu parlais d'intégration, puis est-ce que ça se fait de plus en plus? Parce qu'on l'entend parler, oui. Je voyais le gouvernement, on en discutait, oui. Là, parce qu'on s'est rencontrés hier, je voyais le gouvernement qui, maintenant, donne de l'argent pour aider les maisons comme l'Arc-en-Ciel là, pour travailler davantage avec ces gens-là. Mais est-ce qu'au niveau de la population, René, est-ce que l'intégration se fait? Est-ce que le message passe? Bien, tranquillement, ça s'en vient. J'aurais aimé ça que tu me dises autre chose. Tranquillement? Tranquillement, oui. On a encore beaucoup... les jugements, ils sont encore beaucoup, beaucoup présents. Puis, oui, pourquoi? C'est... Dis-moi pourquoi. Bien, en fait, la différence... Ça a toujours fait peur. Hein? On n'aime pas ça, vraiment. On aime mieux quand tout coule, quand tout le monde s'en va dans la même direction, quand tout rentre dans les cases bien comme il faut. Hein? Sauf qu'on sait bien que la vie, c'est pas faite comme ça. Et puis, oui, les personnes handicapées particulièrement ont de la difficulté, justement, à vivre une intégration en parfaite harmonie avec l'environnement. Puis... Puis des fois, c'est pas juste l'environnement, c'est eux autres aussi, hein, tu sais, ils ont tellement été conditionnés à être isolés, à faire les choses autrement. Donc, en tout cas, moi, personnellement, c'est une mission que je me donne, c'est de faire le plus possible pour faire respecter les droits de ces personnes-là et puis de les ouvrir au monde parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont tellement de choses à apporter. Puis oui, l'intégration, tranquillement, pas vite, on s'approche de quelque chose de plus concret. Mais on a encore des choses,
on a encore des choses à travailler. À travailler et à apprendre. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se passe quoi durant... bon, il y a une semaine pour la déficience intellectuelle. Il se passe quoi durant cette semaine-là? Bien, pour... nous autres, cette année, à l'Arc-en-Ciel, on n'a pas vraiment d'activité spécifique. On va plutôt se coller à la sensibilisation générale et aussi à des campagnes de promotion que notre groupement d'organismes pour personnes handicapées aussi a développé. Donc, oh oui, la belle photo, hein? C'est vraiment super. Bien, en fait, ça vous indique un peu que c'est sûr, à l'Arc-en-Ciel, ça, c'est des jeunes qui sont en répit la fin de semaine. Puis on les garde pas nécessairement à l'intérieur de la maison de l'Arc-en-Ciel. On leur fait vivre des activités comme là, des activités de jardinage, des activités, des visites touristiques qui ont le droit, eux autres aussi, d'aller visiter des beaux endroits comme ça. On fait de la zoothérapie. C'est vraiment ça, là, quand les animaux entrent à l'Arc-en-Ciel, les visages s'illuminent. C'est vraiment super. On fait de la musicothérapie aussi. Ça aussi, c'est vraiment... Ah, ça, c'est le fun. Jacinthe puis Laurie qui vont s'amuser au parc, qui se balancent. Donc, vous voyez, c'est ça. Nos campagnes de financement aussi, oui. Ouais. Bien, c'est ça. On les cache pas, nos personnes handicapées. On veut les montrer à la population, on veut participer justement à promouvoir leurs belles capacités et puis leur beau sourire. Donc, c'est ça. Je m'en allais où avec ça? Là? Les photos m'ont toutes déconcentrées parce que je les trouve tellement beaux. Mais oui, les campagnes de promotion, donc c'est ça cette semaine. À partir du 15 mars, au début de la semaine de la déficience intellectuelle. Parce que c'est la semaine prochaine, il faut le mentionner. C'est ça, c'est ça. On passe le message pour annoncer que c'est la semaine prochaine. Ouais, donc, notre groupement d'organismes pour personnes handicapées pilote un projet de capsule vidéo de sensibilisation. Donc, la semaine prochaine, c'est la sortie de la première capsule. Et puis, justement, déficience intellectuelle pour deux personnes qui sont qui ont une déficience intellectuelle qui vont participer à cette capsule-là. Donc, nous, on va s'accoler à ces campagnes-là pour faire la promotion. Puis, avec nos réseaux sociaux aussi, on va promouvoir ce qu'on fait à l'Arc-en-Ciel aussi avec nos usagers qui sont membres. Permets-moi une question. Est-ce que l'autisme fait partie de la déficience intellectuelle? Bien, en fait, l'autisme, c'est un trouble neurologique c'est un trouble neurologique comme d'autres troubles neurologiques. On peut avoir des personnes autistes qui ont aussi une déficience intellectuelle, mais ce n'est pas une déficience intellectuelle, l'autisme. Okay. Tu sais, fait qu'il faut comme faire la différence, là. Mais oui, on peut avoir des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle, mais comme on le dit souvent, la majorité n'ont pas de déficience intellectuelle en autisme. OK. Donc, cette semaine-là est vouée et pour que les gens comprennent mieux les besoins, parce que si on met une thématique, c'est qu'on veut que le message passe. On veut promouvoir leurs besoins, c'est bien entendu. Puis nous, à l'Arc-en-Ciel, notre mission première, c'est vraiment le soutien aux familles naturelles. On offre des services à toutes les personnes qui ont des limitations, mais le mandat premier, c'est de soutenir les familles naturelles, donc avec nos services de répit. Et puis, dans le fond... Ça... Qu'est-ce que tu veux dire par là, soutenir les familles naturelles? Bien, en fait, les familles naturelles, on entend par famille naturelle les familles qui vont être les proches aidants de leur enfant handicapé. Donc, ils vont garder avec eux leurs enfants qui ont des limitations tout au long, jusqu'à au plus loin de leur vie. Il y a des personnes qui vont rester avec leurs parents toute leur vie. Donc, il faut les soutenir, ces parents-là. T'sais. Plus ça va, c'est sûr et certain qu'on est dans une ère où est-ce que les familles vont garder leurs enfants handicapés avec eux le plus longtemps possible, contrairement à autrefois où est-ce que, bon, c'était comme un peu tabou quand on avait un enfant qui était plus lourdement handicapé, bien, c'était l'institution pratiquement automatique. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Donc, mais il faut quand même s'assurer de les soutenir, ces familles-là. Puis ces familles-là, ils n'ont pas tellement tendance à demander de l'aide. C'est pour ça qu'il faut aussi faire connaître l'Arc-en-Ciel pour leur dire « Hey, on est là pour vous aider, là. On est là pour vous offrir des services. » Est-ce que les gens, justement, j'ai de la misère à comprendre, est-ce que c'est la timidité? Qu'est-ce qui fait que les gens sont
ne demandent pas justement l'aide parce que l'arc-en-ciel est tellement un bel organisme pour encore ça. Encore là, c'est la peur. En tout cas, c'est peut-être une perception, mais je pense que c'est pas tant que ça une perception, mais c'est la peur d'être jugé. Parce que quand on est parent, on est censé s'occuper de nos enfants. Et puis, quand on envoie notre enfant en répit, bien, c'est d'admettre qu'on a besoin d'aide aussi, qu'on a besoin de souffler. Ouais. Fait que il y a comme un petit côté tabou à ça aussi. Autrefois, tu sais, on les envoyait en institution, on les prenait la fin de semaine, puis c'était OK. Mais maintenant, c'est comme, il faut vraiment, c'est comme si les parents se donnaient la mission que... de garder leur enfant, de s'en occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se donner le droit de prendre du répit. Donc, puis ça, c'est pas vraiment nommé très clairement. C'est des choses qu'on sait parce qu'on l'a déjà vécu, tu sais. Fait qu'on peut comprendre la réticence de certains parents, de certaines familles, de certains proches à faire garder leur enfant par d'autres personnes. Mais sachez qu'à l'arc-en-ciel, on est là pour ça. Puis on met tout en place aussi pour que l'environnement soit bienveillant, sécuritaire et avec des activités variées. Donc, c'est sûr et certain que nos jeunes et nos moins jeunes ne s'ennuient pas quand ils viennent passer une fin de semaine à l'arc-en-ciel. Et la preuve que ça change, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vont à l'arc-en-ciel. Oui, oui. Parce que j'aimerais ça que tu me définisses exactement c'est quoi la maison de l'arc-en-ciel. Bien, en fait, la maison de l'arc-en-ciel, l'organisme de l'arc-en-ciel a plusieurs missions. Donc, d'offrir des activités de centre de jour, d'activités de jour, des services de répit, de gardiennage, de dépannage aussi. Des fois, il peut arriver des petites choses dans la vie qui fait qu'on se retrouve à l'hôpital puis il n'y a personne pour s'occuper convenablement de notre enfant handicapé qui est à la maison. Donc, ça, c'est du dépannage. On a un volet aussi, défense de droit, qu'il ne faut pas oublier. Hein. Des fois, les familles rencontrent des difficultés par rapport au cheminement de leur enfant dans certains services, que ce soit santé, scolaire. Donc, nous, on va les aider à les orienter là-dedans en en faisant la promotion de leurs droits aussi, puis en disant, vous avez le droit de demander tel service, vous avez le droit de choisir aussi l'intervenant ou, en tout cas, dans la mesure du possible, on s'entend. Donc, c'est un volet de service de l'arc-en-ciel. Mais la maison de l'arc-en-ciel est vraiment dédiée, elle, au service de répit et au centre d'activité de jour. Donc... OK. Et la demande est toujours croissante. Ça veut dire que les gens, de plus en plus, ce que tu disais tantôt, les gens sont timides à demander de l'aide. Ça veut dire que de plus en plus, les gens demandent de l'aide. Bien, en fait, je vais t'avouer qu'on a un travail à faire aussi de promotion, de sensibilisation, justement, parce que le service de répit change, est en évolution aussi. Donc, c'est plus... les familles n'ont pas besoin vraiment d'une gardienne, ils ont besoin d'une équipe qui va faire vivre des expériences à leur enfant. Donc, on est en évolution aussi à ce niveau-là. Donc, on a un petit travail aussi à faire pour aller les chercher, ces familles-là. Mais oui, effectivement, le besoin est grandissant. Donc, c'est pas pour rien qu'on va agrandir aussi notre maison. Oui, mais c'est ça. Il y a un beau projet d'agrandissement. Là, on ne peut pas en parler tout de suite. Bien, en fait, ça suit son cours. Hein. Vous savez, ça, c'est ces grands projets-là, là, il y a plusieurs étapes, mais c'est ça. On est plus à l'étape de validation des plans. On est choyé, René, tu me disais hier que on est choyé d'avoir une maison de l'arc-en-ciel parce qu'il n'y en a pas partout des maisons de l'arc-en-ciel. Non, il n'y en a pas partout. Donc, à Montmagny, on est choyé d'avoir un tel établissement. Oui, en fait, on va desservir la population Montmagny-Lillet, Bellechasse aussi. On a quand même quelques usagers qui viennent de Bellechasse et de Lévis. Donc, puis éventuellement, c'est sûr que dans notre projet de développement, on veut rayonner vraiment plus large. Donc, puis il y a toujours le volet autisme aussi qui va tendre à se développer beaucoup. Donc, on est sur une lancée. OK. Tu vas revenir nous voir le 1er avril? Oui, oui. Parce que le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Oui. Bon, il faut le mentionner, tu as un garçon qui est autiste. Oui. Et tu me racontais tout ce qu'il accomplit. Tout ce qu'il fait comme développement, accomplissement, c'est le bon mot. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va en reparler le 1er avril.
Mais là, c'est la semaine de la déficience intellectuelle la semaine prochaine et le mois de l'autisme ça va être en avril. Donc, de plus en plus, on ouvre les communications par rapport à ces... On a beaucoup de choses qui s'en viennent. Le printemps, là, nous, là, au niveau des déficiences, déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme, c'est comme on commence en mars avec ces belles campagnes de promotion-là, là, puis vraiment la mise en avant de ces personnes-là puis du potentiel qu'ils peuvent démontrer. Parce que oui, moi, je le vis en autisme, mais je regarde, on a plein de petits bonhommes puis de petites bonnes femmes à l'arc-en-ciel qu'on voit vraiment tout le potentiel puis qui ont des belles possibilités en avant d'eux autres. Puis, l'intégration en emploi, je fais des liens avec Formaca qui ont des beaux plateaux de travail puis beaucoup de gens qui sont en intégration au travail dans cette entreprise-là, ça va... Tu sais, on est bien entouré aussi, il faut le dire. Tu sais, des fois, on se plaint qu'il manque de services, surtout pour les adultes 21 ans et plus. Hein. Vous avez sûrement marqué dans l'émission Autisme bientôt majeur, on parle de l'autisme, mais ça touche toutes les déficiences, le 21 ans et plus, après la scolarisation. C'est vrai qu'il manque peut-être de quantité de services, mais les services qui sont existants, il y a quand même des choses intéressantes. C'est juste que les gens ne savent pas tout ce qu'ils peuvent aussi avoir accès. Donc, c'est notre rôle aussi d'orienter les familles pour leur donner des petits outils pour aller un petit peu plus loin avec leur enfant qui a une déficience. C'est la semaine prochaine, du 15 au 21, c'est ça? Mm-hmm. La semaine de déficience intellectuelle. Est-ce qu'il va se passer de quoi exactement à la Maison de l'Arc-en-Ciel dans le cadre de cette semaine-là? Non, comme je disais, on fait que le souligner, ce qui est important. La promotion, oui. Puis le 21 mars, on va tomber sur la journée de la trisomie. Oui. Donc, il y a d'autres promotions aussi qui vont suivre là, sur cette journée-là. Là. Donc, ça va clore la semaine de la déficience intellectuelle, mais nous autres, notre travail... Comme tu le sais, c'est à l'année. 52 semaines par oui, année. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, René Hébert, agent de liaison de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Quel numéro on peut vous rejoindre? C'est toujours au 418-248-3055. Puis, c'est ça, téléphonez, n'hésitez pas. Il ne faut pas être gêné. Vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour aider. Ah non, surtout pas. Merci beaucoup, René. On est là René. Pour aider, merci. Très intéressant. René qui va nous revenir le 1er avril pour nous parler du mois de l'autisme, qui est le mois d'avril. Et aussi, on aura le plaisir de l'avoir à notre écran par rapport à la promotion, mieux nous faire connaître l'autisme. Alors, ce sera très intéressant. Merci beaucoup, René. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour nous parler des grands titres de l'actualité. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-l'Île-Lès depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-l'Île-Lès. C'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 15 au 21 mars, événement d'envergure provinciale avec l'objectif de nous sensibiliser aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. À Montmagny, la Maison de l'Arc-en-Ciel offre un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-7335. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photos. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter nos nouveaux-nés de cette semaine. D'abord, Derek Fortin-Morneau, les parents Sophie Fortin et Marc Bois-Morneau. Ils sont de Saint-Aubert-de-Dillet. Alors, Derek, qui s'est pointé le bout du nez le 8 mars dernier. D'ailleurs, regardez cette belle photo qui en dit long sur l'arrivée de Derek Fortin-Morneau. Alors, félicitations aux heureux parents Sophie Fortin, Marc Bois-Morneau. Ils sont de Saint-Aubert, Derek, qui est arrivé le 8 mars dernier.
Samuel Gagnon-Boutin. Les parents, c'est Karine Boutin. Alors, Karine est de Montmagny. Alors, Samuel est né le 10 mars 2020. Alors, bravo et félicitations à Karine Boutin, le petit bébé Samuel Gagnon-Boutin de Montmagny. Et maintenant, on voulait vous présenter mardi, mais on n'avait pas de photos. Alors, Océane Duval, née le 2 mars dernier. Alors, les parents sont Sonia Jean et Olivier Duval. Alors, c'était nos gagnants de la semaine dernière, mais comme on n'avait pas de photos, alors on a reçu une belle photo d'Océane. Ils sont de Sainte-Perpétue. Alors, Océane, née le 2 mars. Donc, bravo à ses heureux parents et merci à la pouponnière de Montmagny, tous les employés qui nous permettent la présentation de cette belle chronique La Pouponnière tous les mardis et jeudis à la même heure. Regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, on en est à la fin de notre émission. C'est le temps de parler des grands titres de l'actualité. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Je suis un peu tanné, mais je pense que je vais me faire à l'idée qu'on va en entendre parler de ce célèbre virus COVID-19. Là. Le coronavirus, je pense que tout le monde est tanné d'en entendre parler, mais en même temps, c'est le sujet de l'heure. Tu comprends que c'est le branle-bas de combat partout sur la planète. Hier, le président américain Donald Trump s'est adressé à la nation et qui a décrété qu'à partir de vendredi, tous les vols de l'Europe ne pourront pas entrer aux États-Unis, sauf qu'au Canada, on ne l'a pas fait. Là, il y a des inquiétudes, c'est-à-dire que si au Canada, on continue de recevoir les passagers de l'Europe, est-ce que les Américains vont fermer la frontière avec le Canada? Ce qui serait une catastrophe économiquement parce que c'est notre principal partenaire économique, tu comprends? Je ne sais pas pourquoi le Canada, là, hier, M. Trudeau a annoncé $1 milliard là, pour distribuer dans les provinces. Particulièrement, pas juste ça, mais... T'as 500 millions pour les provinces, t'as un 500 autres millions pour le reste. Mais il annonce pas la fermeture des frontières, puis M. Trump a pas pris de temps là, pour le faire. Comptez de vendredi à minuit, vendredi, exact. Les Européens ne pourront plus débarquer aux États-Unis. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Oui, mais en même temps, économiquement, c'est un coût. Mais tu remarques qu'il a annoncé du même souffle 50 milliards de dollars. Mais ça n'a pas de bon sens. 50 milliards de dollars. Là. Ouais, c'est les Américains. Ils sont déjà très endettés. Oui, j'ai entièrement raison, mais en même temps, je ne sais pas comment ils vont faire pour... Mais c'est une situation de crise. Puis tu sais que Donald Trump, c'est une tête dure. Fait que quand il veut aller dans une direction, il n'y a pas grand-chose qui l'empêche. Hein? Tu l'as vu, même il a brassé même le système de justice à sa façon. Mais c'est une crise sans précédent. Écoute, hier, j'écoutais l'adresse à la nation du président américain, puis on a réellement l'impression qu'on vit un moment historique en espérant que les choses vont se placer. Parce que ça me faisait penser un peu lorsqu'on a annoncé en 1939 le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ou le 11 septembre. T'sais, c'est des moments solennels où tous les gens sont pointés vers leur téléviseur puis attendent de voir ce qui va se passer. La NBA, la Ligue professionnelle de basketball, qui a déclaré son année, a annulé son année finalement. La Ligue nationale, il n'est pas encore question de l'annuler, sauf que c'est en pourparler. Écoute, c'est... C'est du jamais vu. Ça a l'air qu'il y a un match de Columbus qui va avoir lieu à huis clos. Okay. Il me semble que c'est avec les Stars du Minnesota, je ne suis pas certain, là, mais je sais que c'est Columbus. Ce match aurait lieu à huis clos. Ça veut dire qu'il n'y aura pas personne dans l'aréna. As-tu pensé? Tu comptes un but, personne. Oh, oui, c'est bon, mais voyons. Pour en rire un peu quand même. Non, mais c'est parce qu'on vit une réalité.
J'ose pas imaginer jusqu'où ça peut aller. Mais hier, j'entendais le médecin avec Mme Kahn, McCann, qui disait que ça pouvait affecter la population québécoise de 30 à 70 %. Tu sais, tu écoutes ça et tu dis, ouais, 30 à 70 %, c'est beaucoup. Alors, tu sais, on se pose des questions à savoir jusqu'où ça va aller. Qu'on prenne des précautions, ça, je vis très bien avec ça et je salue aussi l'initiative. Mais c'est de savoir jusqu'où ça va aller, parce qu'on a quand même 9 cas au Québec. Tu sais, c'est rien pour l'instant d'alarmant, mais on doit prendre les précautions nécessaires. Mais jusqu'où ça peut aller, c'est toujours la question que je me pose. Et c'est surtout l'impact économique, oui. Parce que lorsque tu fermes les frontières, il n'y a rien qui se transige. Est-ce que c'est juste les citoyens de l'Europe qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis ou c'est les vols commerciaux également? Tu sais, les vols commerciaux, parce qu'il y a des échanges par avion, il y a du transport qui se fait, c'est pas juste par bateau. Le par bateau, on fait quoi aussi? Est-ce qu'on empêche les bateaux d'entrer? Je veux dire, c'est un ennemi invisible en passant, là. Je veux dire, c'est encore... En Italie, là, on dit qu'il y a seulement des magasins d'alimentation et les pharmacies qui sont ouvertes parce qu'il faut continuer à manger. Ben oui, justement. Alors, on n'est pas autosuffisant à cette heure. Lorsqu'on a un problème ou on a faim, on va à l'épicerie. Dans le temps, c'était pas ça. On cultivait chacun notre jardin. Il y avait les cultivateurs, les fermes qui étaient pas loin. On allait chercher nos œufs, puis on allait à chasse également. Mais là, c'est plus ça, la vie maintenant. Là, on fonctionne par les épiceries, par l'entremise des supermarchés, de sorte qu'il y a des inquiétudes, c'est bien entendu, mais au moins les gouvernements réagissent financièrement. À savoir si, pour nos marges de crédit personnel, ils vont nous arrêter nos intérêts. Ouais, mais je comprends. Les exportations, tout ce qu'on mange, les oranges, je peux... Ouais. Mais là, à un moment donné, c'est plus moi là-dessus que je me pose des questions, savoir comment tout ça va fonctionner. Alors, est-ce qu'on est rendu là? C'est la question qu'on doit Je pense qu'il faut rester positif malgré tout. Oui, très important. C'est faut pas très, paniquer, très important de ne pas sombrer dans la panique. Mais pour c'est ça qui est dangereux. Exact, exact. T'as vu les marchés boursiers, là, qui ont... Les gens ont... Hey, t'as pu le voir. Parce que... Mais c'est un climat de peur. Tu penses que tu vas perdre de l'argent, tu dis, hey, je vais retirer mon argent, et c'est là que... C'est naturel. C'est ça. Alors, ça complète. Je vous invite à être là demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée. À demain. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, services rapides de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.